Au chapitre culturel encore, la nomination de Lorella Issa-Prinson à la tête du Memorial Act a été une évidence pour le conseil d'administration. Malgré des candidatures intéressantes lors de la phase de recrutement, le CV de la Guadeloupéenne et son projet pour l'établissement ont conquis le jury, à en croire Georges Brédan, le président du MACT, interrogé par Nicolas Ledin. Je l'ai accueilli avec beaucoup de bonheur, comme un gage de mener l'établissement au plus haut niveau, puisque Lorella Prinson a une formation, le conservateur du patrimoine, elle est conservateur du patrimoine, spécialité musée. Elle a aussi une longue expérience, une riche expérience à l'international, acquise à travers bien sûr différents musées du monde, mais également en tant que chargée de mission auprès de l'UNESCO. Elle a eu à participer à des jurys, notamment le prix du musée de l'Europe, dont le Memorial Act a été le lauréat. Et donc, toutes ces raisons-là plaidaient en sa faveur et font que, assurément, c'est la personne qu'il faut aujourd'hui pour permettre au Memorial Act d'accomplir ses missions. L'enracinement, bien sûr, le terroir guadeloupéen, caribéen, mais aussi l'ouverture au monde, l'ouverture à l'international. Est-ce que le fait qu'elle soit guadeloupéenne, ça a pesé aussi dans la décision? Ça ne peut pas être une qualité que d'être guadeloupéenne, même si on peut dire qu'effectivement, c'est incontestablement, bien sûr, la cerise sur le gâteau.